rien qui vaille. Cours, c'est ta seule chance. Votre santé est faible. Avez-vous des potions, des vivres? Ça va mal tourner. Ah ouais? Ah ouais? Ça, c'est une jolie blague. L'ennemi est là. Ça me dit rien. Ah!
Votre santé est critique. Tu veux entrer ? Il faut me parler. Je ne suis pas expert en technique d'infiltration, mais si tu veux infiltrer un camp de bandits, déguise-toi au moins. Ce sera mieux. Fais un peu plus d'efforts. On remarque trop le déguisement, là.
Faut pas rester planté là. Tu veux entrer? Parle-moi. C'est mieux. Maintenant, tu y es pour de bon. Si tu préfères porter une chemise ridicule, c'est ton problème. Ne t'attends pas à être respecté par les gars. La plupart dorment, alors un peu de silence. Encore un qui arrive, Joe. Ouvre les grilles. Je t'ai jamais vu dans le coin avant. Delame t'a engagé? Salut à toi, Libérateur. Besoin qu'on surveille vos arrières? Vous cherchez quelqu'un de vraiment féroce? Vous ne trouverez pas mieux que moi. Comme vous voulez. Si vous changez d'avis, vous savez où je suis. Libérateur, j'aurai... Besoin qu'on surveille vos arrières? Ouais, c'est tout de suite que c'est quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas déçu ici. Psst. Ainsi, tu serais intéressé par un passe pour le camp. Je peux t'en avoir un, mais ça te coûtera 1000 pièces d'or. Très bon choix, mon ami. Excellent choix. Besoin qu'on surveille vos arrières? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je peux vous renseigner? Je crois que nous pouvons faire un effort pour vous, monsieur. Selon les marchands, les bandits sont dirigés par une femme mystique. Je peux aider? Libérateur, j'aurais dû m'appeler comme ça. Il te faut un passe pour entrer ici. On dirait un passe valide. Tu peux entrer. Laissez passer!
chose à faire. Le grand libérateur. Oh. Ah non. Oh. Oh. Un oh. bon guerrier. Plus personne n'apprécie le noble art de l'assassinat de nos jours. Mes temps sont vraiment durs, hein? Bon, il faut trouver une solution. Va voir Roderick, chargé des relations publiques. J'ai remarqué que tu regardais les portes des quartiers de Deux Lames. Si on causait une diversion pour attirer les gardes de la réserve, ça ouvrirait les portes. Bien sûr, une entreprise aussi risquée requiert une rémunération adéquate. C'est une proposition honnête en ces temps de crise. Nous resterons ici, si tu changes d'avis. Qu'est-ce qui se passe? Il a l'air fort. Libérateur, super! Parle à Roderick. Il parle pour nous tous. Tout se passe bien. Salut! Alors, mesdames, venues assister au divertissement? Ne sont-elles pas mignonnes, hein? Ça va être une belle fête, pour sûr! Faites-nous sortir de là! Récupérez la clé sur le garde! C'est bon, vous avez vu. Et c'est moi qui ai la seule clé. Vous n'aurez donc rien d'autre. Vous devriez. C'est bon, vous avez vu. Et c'est moi qui ai la seule clé. Vous n'aurez donc rien d'autre. Eh bien, nous sommes tous extrêmement impatients.
garde. Que c'était fini pour nous, mais partons vite avant que les gardes nous remarquent. Les otages de Delam s'enfuient. Attrape-les avant qu'elles ne s'échappent. Bien, la porte est ouverte. Vous avez accès à la zone de deux lames. Passez la porte pour pénétrer chez deux lames. Je peux aider ? Libérateur, le j'aurais dû m'appeler comme ça. Rien qu'à le voir, on sent tout de suite que c'est quelqu'un qui aider. T'es un sacré gars. Besoin qu'on surveille vos arrières ? Pénétrez la zone de deux lames. Passez donc la porte. Je t'attendais. Arrière, les gars! Delam veut dire deux mots à ce petit héros. Thank you.
dit qu'un pantin de la guilde viendrait. Et te voici. Mais l'âme meurt d'envie de te connaître. Ça fait des jours qu'elles n'ont pas mangé. Mais tu n'as pas l'air très appétissant. Défends-toi, pantin de la guilde. Voyons de quoi tu es capable. Ah!
Votre santé est critique. Santé est faible. Avez-vous des potions, des vivres? Finis-moi vite. Je ferai la même chose pour toi. Te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne reconnais pas ta sœur? Son passé se rejouait devant elle. Les souvenirs de Teresa se ravivaient dans un brasier. Ocval brûlait. Elle vit les bandits torturer sa mère impuissante. Puis ils se tournèrent vers elle pour l'interroger sur son frère. Elle ne leur répondit que d'un regard. Pour la punir, le chef des bandits lui creva les yeux. Les pillards s'enfuirent avec la mère du garçon et Teresa se retrouva seule dans la forêt. Elle erra pendant 3 jours, aveugle et accablée de chagrin,
jusqu'à ce qu'elle fût retrouvée par des bandits. Deux lames et ses hommes. Pour elle commença une nouvelle vie de servitude dans leur clan. Le roi bandit sentait sa force et sa volonté exceptionnelle. Il l'écoutait quand elle murmurait des vérités prophétiques dans son sommeil. Ceux qui ne pouvaient tolérer cette petite fille aveugle aux côtés de leur maître ne firent pas long feu. Lorsqu'ils s'en prenaient à elle, elle les tuait, sans pitié ni émotion. Car telle était sa place dans le monde. J'ai vu tellement de choses, tellement de tueries et de morts. Je t'ai vu, petit frère, dans un cercle de sable et de sang, une arène remplie de secrets. Et j'ai vu le choix que tu devras faire un jour, entre l'ombre et la lumière. Thérésa. Désolée de l'âme, tu seras seule désormais, comme nous tous d'ailleurs. Mais avant de partir, j'ai un cadeau pour toi, pour tous les anniversaires que j'ai manqués. Un pouvoir qui se transmet dans notre famille. Il te trouve quand tu dors et quand le jour faiblit. Qu'attends-tu? Finis-moi ou va-t'en. Je suis mort de toute façon. Je ne suis plus le roi de personne. C'est déjà gagné. Ne me tue pas. Je ne veux pas partir comme ça. J'étais un héros, moi aussi. Je n'ai jamais... Bien, si cela doit en être ainsi. Vous avez assez de renom pour utiliser le rire effrayant. Votre nouveau rang est familier. Cette victoire était très impressionnante, héros. Rentrez vite à la guilde. Maz vous y attend avec des informations. Vous recevez une nouvelle quête. Choisissez vos quêtes à la guilde.
Besoin qu'on surveille vos arrières ?